Donc je me présente, je suis Marie Laplace et je participe au concours de l'INSINA depuis bientôt 9 ans je crois. Et j'ai pu gagner les 3 dernières années. Et je me présente ma chère Sophie. Laplace aussi. Et moi c'est ma 4e année là que je vais faire le concours. Et je suis toujours derrière elle. Et, de toute façon elle prend toujours la première place donc c'est pas difficile. Et voilà. Je vais vous montrer un peu ce qu'on fait nous. Allez. Après, on va vous faire un petit Irintina. Aïe 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 aïe
en raisonné de cet éclos. En effet, oui, voilà, parfait. Vous avez torché tous les S, jeune disciple. Et pas que tous les S, permettez-moi. Ah ! Moult injonction du tribunal ai-je eu. Ah ! Le N de nanar. Moi j'aurais dit le S de salope, hein, mais comme vous voulez, maître. Double N en raisonné. Et en nuancé, pourquoi en raisonné ? Vous en avez eu que trois. Le G de ce point. Connaissez-vous le fameux point G ? Connaissez-vous le fameux point de ce G ? Ça en est toute une magie. Écoutez, ça fait depuis 22 ans que je vis avec ma mère, et je pense que j'ai l'occasion de connaître ce point G, n'est-ce pas ? Ah ! Ouais, vous en avez tout un égo, cher disciple. Oui, effectivement. On est bien centré, mais pas que dans l'ego. Hein. Dans le logo de ces fours. Voilà. Le C de connard. Vous êtes vulgaire. C'en est un hélice. Vous êtes extrêmement vulgaire, maître. Jamais, permettez-moi, jamais je n'aurais employé ce genre de mots. Nuancé de ce délice, je vous en dis, cher disciple. Tu es un gros enfoiré, jamais je me serais permis de faire ça. Un peu de politesse, un nom de Dieu de merde. Pour en nuancer de ce délice, cher disciple. Mot croisé. Il en connaît le récital. J'ai trouvé un C. On l'a gagné. On a gagné. Ah. On a gagné. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Qu'est-ce que je fous ici, mon Dieu, j'ai rien. La lettre au bout qui sera le... D. Le D de démerde-toi. Ou pourquoi pas de ce délice. Eh ben démerde-toi. Allez, c'est parti. Et pourquoi pas de ce délice, tu vas en présider. Tu vas en présider comme Hollande. Ah, parce qu'il a été président Hollande. Il me semble. Mais il fut un temps, on l'appelait Flamby. Ça me le yaourt que tu gobes ça quand tu tires la languette. On enchaîne. Allez. Le M de M. Tu en détiens la magie. Oui, tu en détiens la magie. Le J de Jean Lémar, pourquoi pas de ce jeu ? Sachez, cher... écoutez, cher on va maître. Arrêter ça. Non, pas cher maître, cher youtubeur qui regarde ces vidéos. J'en ai surtout marre, en fait. Reste-en souriant de ces tigres. C'est on vraiment enchaîne. Un jeu de merde. Hein. C'est quoi ton truc là ? Normal, c'est la magie des mots, c'est mots croisés. J'ai pas avec faire, le hein. R de... Excellent et film. Pourquoi tu vas en raisonner ? Excellent film, durant les, dans lequel... Alain Chabat a joué de façon magistrale, n'est-ce pas ? Montre-moi ces fours. Allez, on a passé à la suivante. Le H. La H de ce duel de dracard. Ah, t'es fou. Coronavirus oblige. Eh oui, coronavirus. Tu en connais le pangolin. Il en a trouvé la H de ce duel de dracard. Ainsi que le thé de ta gueule. Espèce de rat, pourquoi tu en optes de cette torche ? Ou torche-toi ce que je pense. Ah ! Denis Brogniart, sors de ce corps. Ah ! Le rat de cette magie. Et quelle va être la dernière ? T'as perdu. Cette fois-ci, c'est non pas 5 euros, mais c'est 3 euros que tu as dans le cul, Bruno. Eh oui, arrête, il a découvert le I. Le I de rester droit comme un I. C'était la magie des mots. C'était mots croisés. En invité. Lester. Allez, ciao, à la prochaine.